La femme qui est dans mon lit grossit doucement depuis 20 ans. Son corps d'amour au fin contour. Soyons méchants, c'était avant. Mes bras devenus maintenant trop courts ne peuvent plus en faire le tour. Ma belle plante envahissante, disons le mot, déborde du pot. La femme qui est dans mon lit fait des régimes inutilement, lui est relu, toutes les revues, tout essayé, rien n'a marché. À l'institut, elle a perdu bien plus d'euros que de kilos. Elle qui voulait perdre du cul, c'est le porte-monnaie qui a fondu. La femme qui est dans mon lit va éclater dans pas longtemps. Quand je lui dis, fais attention, double ration, double menton. Elle me répond, tu sais que ma sœur connaît un bon liposuceur. Du lit maintenant, elle descend des deux côtés en même temps. La femme qui est dans ma vie bousille nos lits depuis 20 ans. Elle fait plier tous les sommiers, fait du dégât dans les matelas, car sous son corps de brontosaure un creux se forme profond, énorme, dont sans effort je m'accroche au bord. Si j'y tombais, j'y resterais. Pourtant je l'aime, comment vous dire, pour le meilleur comme pour le pire. Et le meilleur, c'est sa poitrine. Bah oui, parce qu'un gros cœur, il tambourine. Ah oui. Bravo. Oh, bon, bon. C'est Serge et Yannick. Ah, magnifique. C'est passé un bon moment. Bravo. C'est presque mieux que la version originale. Bon exercice.